peu triste. Arrête de me regarder. Monsieur Fletcher, j'ai les documents que vous m'avez demandé. Hélène! Vous avez oublié de m'apporter du café? We will make sure that never again will a young police officer like Ezio Ferrone of Edmonton be gunned down by a career criminal out on parole for the 8th time after breaking parole requirements the first 7 times. Even after parole board members were repeatedly warned about his continuous escape plots. Savez où va votre argent? Venez demain, 8h tapant, préparez-moi le déjeuner. David Giffen of the Canadian Police Association said of McCauley's words, quote, I think most of the inmates would probably agree with that statement. Elle prend un rendez-vous, j'ai pas le temps. J'espère que t'as une maudite bonne raison de me déranger jusqu'ici, là. Elle a pourtant été assez claire là-dessus. Je suis venue pour ta fille. C'est elle qui me l'a demandé. Elle a 20 ans, Maurice. Tu te rends compte?
c'est la photo de ta fille. J'ai écrit son adresse derrière. Elle travaille au restaurant Punkai. C'est ça. C'est quoi tu veux? Du cash? Tes problèmes, là, ne m'intéressent pas. Hey, toi, t'as vraiment pas changé, hein? Moi, je suis venue ici pour ma fille qui est la tienne aussi. Elle veut te voir, elle te demande. Vas-y au moins une fois. De toute façon, on va vite se rendre compte jusqu'à quel point t'es un égoïste. Puis inquiète-toi pas, après ça, là, elle ne voudra plus rien savoir de toi. Tout ce qui vient de toi, là, ça me dégoûte. J'en voulais pas, cet enfant-là. Je te l'avais dit, c'est un accident. Tes problèmes pis tes histoires, là, je veux plus rien savoir de ça. Fait que va-t'en voir ailleurs si je suis... Hey, toi, là, t'es vraiment un salaud, hein. Je me demande comment tu fais pour te regarder dans le miroir! De moi.